Bonjour, monsieur Konankwadio-Bertin. Bonjour. Comment est-ce que vous analysez la situation politique actuellement? Ça fait quelques années que nous vivons la même scène, la même situation. Notre situation est préoccupante. Quand on a connu la guerre, on doit savoir ce que c'est que le prix de la guerre. Comment faire pour éviter de retomber dans les mêmes travers? Vous dites que les conditions ne sont pas parfaites pour aller aux élections. Vous ne faites pas partie de la plateforme de l'opposition, mais est-ce qu'il y a quand même des points sur lesquels vous rejoignez l'opposition? Ah, bien sûr que j'ai été le premier, je suis cohérent et constant. Depuis 2010, je pose ce problème. Vous vous souvenez, j'étais député à l'Assemblée nationale, j'ai été tabassé à Bonan. Nous avons créé la CNC à l'époque. J'ai fait une grande intervention devant la télévision et la CEI à l'époque pour dire que les conditions ne sont pas réunies. Elles ne le sont pas encore, malheureusement. J'espère qu'un jour, eh bien, Dieu Tout-Puissant qui aime la Côte d'Ivoire va donc nous trouver des Ivoiriens, hommes politiques, parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, qui vont nous doter enfin d'instruments d'élection fiables qui nous réconcilient tous. Pourquoi vous n'avez pas suivi le PDCI? Vous êtes un membre actif depuis très longtemps du PDCI, mais vous avez décidé de vous présenter en indépendant. Pourquoi vraiment ce choix? Parce qu'il manque de cohérence désormais au sommet de mon parti. Vous vous souvenez, de 2010 à 2018, mon parti, le PDCI-RDA, a accompagné Alassane Ouattara. Nous étions au gouvernement et à tous les postes de responsabilité dans ce pays. En 8 ans, sur les 10 années, mon parti ne s'est pas souvenu que les conditions des élections n'étaient pas encore réunies. En 8 ans, mon parti ne s'est pas souvenu que Gbagbo était à l'étranger, que c'était une injustice. Subitement, comme vous le connaissez, ce logiciel-là, le rassemblement sur fond de haine pour dégager un autre, parce que simplement on a un projet de revanche. Non. Nous avons besoin d'une offre politique claire qui dégage une perspective d'espérance pour nos jeunes. Quelle est maintenant votre relation avec le PDCI? Je suis exclu temporairement. Quand on exclut quelqu'un, c'est qu'on ne veut plus voir la personne. Ça veut dire que nos relations sont celles-là. Mais je vous dis, les hommes passent. Le PDCI va demeurer. Vous êtes très critique avec les deux mandats qui viennent de se terminer du président Ouattara. Mais vous, quelles seraient vos priorités puisque, selon vous, la Côte d'Ivoire a échoué? Il a manqué à Alassane Ouattara une volonté réelle d'aller à la réconciliation et à la paix. Quand on a connu une crise comme celle qu'on a connue en 2010, la guerre oppose forcément deux clans. C'est à deux qu'on se bat, c'est donc à deux qu'on fait la paix. Quand je serai président, ma priorité, d'abord, c'est de convaincre Alassane Ouattara de ce qu'on peut avoir une vie après le palais présidentiel. Ma priorité, c'est le rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, c'est la paix. C'est pour ça qu'il faut mettre en place un gouvernement d'union. Comment vous vous sentez à quelques jours des élections? Quand je vois ce feu de pneus qu'on brûle, quand je vois ces affrontements, ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Vivement que la Côte d'Ivoire renoue avec son destin et son âme. Nous ne sommes pas un peuple belliqueux. Est-ce que je peux vous demander comment est financée votre campagne? Vous avez entendu, j'imagine, les rumeurs qui disent que vos fonds viennent de la présidence. Vous répondez ça quoi à ça? Voyez, c'est méchant tout ça. Personne ne finance une campagne présidentielle sur fonds propres. Vous avez des donateurs, des hommes de bonne volonté, parce qu'ils croient en vous, parce que vous êtes fiable, parce que vous êtes crédible, qui viennent à votre secours. Quiconque n'est pas capable de le faire n'a pas sa place en politique. Monsieur Konankwadio-Bertin, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.